parti pour le tour lancé de Singapour. Au panneau noir à votre droite, freine très fort pour monter à gauche. On longe au petit boudin orange de droite. Il faut freiner pour plonger à la corde à gauche. Enchaînement très difficile. Aux 50 mètres sur le vibreur, pareil, on plonge à droite pour accélérer le plus tôt possible et enclencher le DRS. Aux 75 mètres, grande vitesse pour pas patiner et enchaîner sur un 50 mètres à droite. Attention sur les murs, vivez très vite à ce moment-là. Pareil, 50 mètres pour plonger à gauche, réaccélérer le plus tôt possible, mais le mur de droite est très proche. On enchaîne sur 50 mètres, on tient la corde le plus possible à gauche pour plonger à droite avant d'aller trop loin. Réaccélération tout en appui, attention, petit vibreur, il fait spin. À l'angle, on plonge à gauche pour une épingle très lente pour enchaîner sur un DRS, une accélération compliquée. Pas le temps de souffler, on enchaîne tout de suite aux 100 mètres. Sur la droite, pareil, un tout petit dégagement en plus, mais les murs viennent sont proches. Aux 75 mètres, on enchaîne sur un droite-gauche. Attention, ça va un peu glisser. La même chose sous un pont, gauche-droite. Enchaînement assez compliqué parce qu'on enchaîne une troisième et dernière fois un droite-gauche. On réaccélère assez fort. Pour aux 50 mètres, léger pression sur le frein pour réaccélérer très tôt, très fort pour la ligne droite de la fin du tour au Singapour.